Change fructueux entre le président Denis Sassou Nguesso et son homologue Xi Jinping. En visite d'État dans la République populaire de Chine du 4-8 juillet dernier, les chefs de l'État chinois et congolais ont signé 11 accords de partenariat en vue de renfermer leur coopération bilatérale. Dans cette nouvelle page de coopération, les deux pays amis se sont engagés à mettre en œuvre une zone économique spéciale à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Par cette coopération, la Chine a entrepris de racheter toute la dette congolaise et a diversifié son économie, a également trouvé en la Chine un partenaire de choix pour le développement du secteur agricole. Un mémorandum d'entente pour ce faire a été signé. Ici, c'est pour rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, des concertations, des consultations qui ont eu lieu à Pékin après la visite du vice-ministre du Commerce ici à Brazzaville. Nous avons eu à cette occasion beaucoup de conclusions à l'issue des entretiens entre les deux délégations. Aujourd'hui, des concertations et des consultations ont eu lieu à Pékin, voir comment concrétiser les choses, comment traduire en actions concrètes ce que nous avons retenu comme conclusion à l'occasion de cette visite. D'autres projets sont en discussion ou en préparation. La zone économique spéciale, comment faire avancer les choses, en sachant que les deux parties travaillent ensemble pour faire un plan de développement de cette zone économique spéciale. La loi s'y rapportant a été adoptée. Comment préparer d'autres textes concrets pour que cette zone économique spéciale soit opérationnelle le plus vite possible. Rappelons que les dites concertations se sont tenues quelques jours après la visite du vice-ministre chinois du commerce à Brazzaville. Au cours de leur entretien, Denis Sassou Nguesso, déterminé à diversifier son économie, a également trouvé en la Chine un partenaire de choix pour le développement du secteur agricole. Un mémorandum d'entente pour ce faire a été signé entre les ministères de l'agriculture des deux pays. Toujours pour le renforcement de ces liens, un accord cadre pour le développement et la coopération sur la capacité de production entre la Commission nationale de développement et de la réforme de la République populaire de Chine et le ministère de l'aménagement du territoire et la délégation générale aux grands travaux a été paraffé entre les deux parties. Les échanges entre le président chinois et son homologue congolais ont également porté sur le développement des secteurs de l'énergie, l'aviation, l'éducation, les finances ou un accord sur la circulation et la conversion du yuan en franc CFA et du franc CFA dans les deux pays a été signé. Accord qui fait déjà couler beaucoup d'encre à Brazzaville. Autant d'accords qui portent à ce jour